Oui, on s'en occupera après. Oh là là. Et pour ceux qui me demandent, mais comment tu peux être sûr que Terra et Aquas ont des sentiments l'un pour l'autre? Alors, il faut savoir, c'est un petit peu caché, parce qu'on l'entend pas souvent, etc. Mais il arrive parfois que Terra prononce le nom de Aqua quand il attaque, et de son côté, Aqua, elle prononce le nom de Terra lors de certaines de ses attaques. Alors, c'est vrai que niveau indice, c'est très faiblard, on est tous d'accord. Mais c'est largement suffisant, selon Nomura, pour dire que bah, y a quelque chose qui est entre eux. Oui, je vous jure, c'est Nomura qui a expliqué ça. C'est le fait qu'ils prononcent leur nom durant certaines de leurs attaques, enfin pendant qu'ils se battent, c'est censé vouloir dire qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'ils sont pas encore en train de se le dire, tout ça, etc. Enfin, ouais, vous avez compris l'idée, quoi. C'est l'amour, la jeunesse, tous ces trucs, bref. Le pire, c'est que quand on est jeune, on espère que notre amour continuera, quoi qu'il arrive, tout ça, etc. Mais très souvent, le premier amour finit par être... paraître un désastre pour X ou Y raison. Attendez. Ouais, t'es en train de me dire que la plupart des trucs, en fait, tout ce qui me manque, c'est... Attends. Trésor, 100%, 60%, 80%, 100%, 100% évidemment. 85%. Ok. 100%. 100%. Ah, bah, je me disais bien. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'amour, au début. Le premier amour, très souvent, ça finit par être une déception, puisque c'est pas finalement du vrai amour, c'est juste on a eu un coup de foudre et puis voilà, etc. Enfin bref. Très souvent, il faut avoir le cœur brisé une première fois pour comprendre ce qu'est réellement l'amour. Mais bon. Bah, écoutez, si vous êtes jeune et que vous en êtes là, que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, que vous dites « Oh là là, je l'aime plus que tout, ça, etc. » C'est dès que je le vois ou que je la vois... mon cœur bat à une vitesse folle, je sais plus où me mettre, je sais plus quoi dire, tout ça, etc. Bref, les symptômes de l'amour, quoi. Dites-vous que ça risque de casser, quoi. Très rares sont les personnes qui arrivent à voir leur premier amour être leur âme sœur, comme on dit. Hein. Vous savez, cette personne qui ira avec vous jusque dans les meilleurs moments comme dans les pires, jusqu'à ce que la mort vous sépare, etc. Bref, vous connaissez tous la chanson. Tout ça, etc. Enfin bref, vous connaissez l'idée. Donc voilà quoi. Après, on est dans un univers Disney, enfin dans une série de jeux qui est certes Square Enix, mais avec des univers Disney. Donc il est fort probable que tous les couples Kingdom Hearts qu'on a pu découvrir dans la série des Kingdom Hearts, bah c'est des couples qui vont marcher, tout ça, etc. Hein? Donc Terra à quoi ça marchera, Sora et Kairi ça marchera. Riku et Namine, ça marchera. Comment? Je sais pas, j'ai pas compris d'où ça sortait ça dans Kingdom Hearts 3, mais bon, apparemment ça existe. Donc écoutez, hein, donc voilà. Bref. À se demander qui sera la moitié de Roxas, de Ventus, de Xion aussi, de Axel, de Aiza, et de plein d'autres personnages, dont les personnages de Kingdom Hearts qui. Enfin, des Kingdom Hearts Key, puisqu'il y a plusieurs Kingdom Hearts Key maintenant. D'ailleurs, Union Cross vient de se terminer. Et c'est un gros Mindblood que vient de nous faire encore Nomura. Mais bon, depuis le temps, perso, je suis habitué, moi. Ça m'affecte même plus quand il nous fait des révélations de ce genre-là. Très sincèrement. Bref. Continue.
What are they, Captain? Back! You must get me treasure! Leave them to me. Take that! Stop! Ça sert à ça d'améliorer les liens dés là. Ça sert à avoir le final ultime ultra attaqué. Enfin, pour débloquer les deux sphères comme vous voyez. Et sans ton perchoir. Want some? Stop! Okay. So long! La fierté. Ça augmente super bien avec Zach. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smee? Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given them a little of this and this. And don't think your efforts mean you'll get a share of me treasure, understand? I'm not after your precious box, Captain. I'm looking for a person. A boy wearing a mask. Ring any bells? No, not a one. Figures. It's me, your blithering barnacle. We're off. We shall leave this place before the light draws them back again. Oh. Hey, hold on. What did you just say about the light? Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around. And I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it. A boy who's after the light. If it's not Vanitas, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan! Au moins, certes, Crochet lui ment à propos de ce qu'il y a dans le coffre, mais il est quand même honnête quand il s'agit de sa haine envers Peter Pan, quoi. Je peux pas lui reprocher ça. This chest must be brought to Skull Rock safely. Don't let that Peter Pan anywhere near it. Right. I got you covered. Jacob, je vais le chercher. Allez, on va chercher la tête par là. C'est bon. Coffre. Quoi? Qu'as-tu à proposer? Ah! Est-ce que j'essaie? Non, je ne les ai pas. C'est une nouvelle technique vraiment qui me propose. Ah, mais vous m'intéressez, cher monsieur! Nous comprenons! Parade de choc. Alors, on en achète une. Ça coûte cher, mais vu l'utilité de ces techniques,
Alors, qu'est-ce qu'on change dans tout ce bazar? Pas le droit d'avoir un nouvel emplacement d'action. Ah ben voilà. Oui voilà, hop, voilà. Regardez, j'ai plein de regardez. Qui s'appelle Sparky de 2-1 en fait. Enfin, c'est le nom que lui donnera Lilo. C'est vrai, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Alors, wow, il y en a des coffres ici dans le pays imaginaire. Ça va être long à récupérer, mais au moins, on va dire. Il y aura des choses à chercher et à récupérer ici et là. Est-ce que je peux aller par là? Oui, je peux aller par là. Je ne sais pas par là. Gotcha! Want some? Take that! Heal! Drip! Gotcha! Par là. Alors je vais dans l'autre sens puisqu'on peut aller dans le village des Indiens. Donc je vais y aller. Take that. Want some? Drip. Ah zut. Want some? Take that! Drift! Gotcha! Yeah!
Want some? C'est tout. De terrain en fait il est il approche au sol alors qu'il faudrait qu'il monte en fait. J'avais un slam aérien. Gotcha. Je ferai ça donc. Want some? Drift. Say goodbye! Ok, alors, dans cette direction. Gotcha! Et pourquoi tu m'as dit ce machin? Take that! Dans la patte. Drift! Commence à avoir les vraies techniques. Les techniques obscures. Bon, disons que je veux faire frappe enflammée. On peut mélanger avec quoi? Avec explosion brûlante. Ok. Pas mal du tout même. Alors évidemment, gravité plus, gravité plus, ça fait gravité X. Bravo, je vais tous gagner. Ah, enfin! Oula, ça prend de place ce truc. Ok. Non mais ok, je suis preneur. Je peux le faire. Je prends le pari. Vraiment, il y a autre chose. Ah, encore un nouveau. Arrêtez avec les élixirs, j'en veux pas de mes élixirs. Je m'en sers jamais. HP, augmente vos HP. Okay. J'ai deux défenseurs. Ça sert à rien, je l'ai déjà. Bon. C'est pas grave. Hum.
You're done. Ah ouais, quand même. So long. Oula. J'aurais dû peut-être te calmer, Terra. Tu es allé un peu trop loin. Bon, pour les coffres. Ha! Want some? Heal! Drift! You're done! Gotcha! Take that! Take that! Drift! Say goodbye! Drift! So long! Ah, il a quand même des attaques plutôt intéressantes. D'un point de vue visuel. Des techniques très. Très belles à regarder, je trouve. Très puissante aussi, mais. Gotcha! So long! Want some? Heal! Drift! Gotcha! Là, je vois mal comment on pourrait l'atteindre. Take that! Take that! Ah, oh, mais c'est pas ça, en train de se... Ha! 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 Hiya! Hiya! Ouais, je prends mon... Ha! Hiya! Drift! You're done! Gotcha! Take that! Heal! Drift! Say goodbye!